Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 5 de Valguero, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Orgy, bonjour. 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 Avec ton légendaire Pterodon. Oui. C'est quoi ce Ptera? C'est le Ptera qui endort tout et qui baisse la faim. D'accord. C'est ce truc là qu'il faut que j'aille chercher du coup. Très bien. Bah alors aujourd'hui, on va aller chercher un légendaire Pteranodon. Mais avant ça, nous allons visiter ta base. Ma maison. Ta maison. Alors attends. Il vole le dodo? Oui. Le dodo de Angie. Faut pas que j'y touche ça. C'est qu'il faut qu'il reste en vie. Ah, c'est ça. Bienvenue dans sa base. Hop là. Bienvenue. Ah, t'as pas fini le toit. Non, celui-là non. Donc, t'as foutu sur plateforme. Du coup, t'es au-dessus de chez moi. Alors, est-ce que j'ai réussi à finir mon château correctement, moi? C'est une grande question. Oui. C'est une grande question. Mais après, il reste encore plein de trucs à aménager à l'intérieur, apparemment. Ou alors, il n'y a pas beaucoup de tables, en vrai. Bon, après, il faudra qu'on mette des fabricateurs, des conneries, des machins. Plein de choses à mettre, plein de choses à poser. Mister K. Kakers. Ah, c'est le nom du dodo, ça. What the fuck. What the fuck. Tiens, je laisse ton dodo. Hop. Oui. Je le mettrai tout en haut de la maison sur le toit. Comme une étoile au-dessus du sapin. C'est mon dodo. Hop. Il est malade. Oui. La maladie. Hop. Alors, donc, on va prendre. Parce que du coup, complètement perdu, il y a beaucoup de choses là-dedans. Les. Oh, les Wicked Souls, les ont changé ou c'est moi qui délire? Ok, peut-être que je délire. Je ne sais pas. Elles étaient violettes comme ça, les Wicked? Enfin, rose? C'est pas violette, oui. Mais. Ok. Je ne sais pas. Hop. Alors, le truc des potions. Tac, l'autre crafting. Alors, potion de chest. Je voulais regarder parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ça. Big Elixir potion, c'était avec des fleurs rares. Et les fleurs rares, il va falloir en trouver. Et ça, c'est de la soie, c'est pas des fleurs rares. Je sais qu'il y avait des endroits où tu pouvais récolter les fleurs rares à la main. Est-ce qu'il y en a sur cette map? Je ne sais pas. En tout cas, main, oui, ici, je sais pas où c'est. Ouais. Bah oui, moi je connais bien Ragnarok. Oui, Ragnarok, bah oui, mais on n'est pas de ceux. La zone où il y a les poneys. Là où on peut ramasser les fleurs. Hein. Ouais, oui, oui. Il y avait pas mal. Hop, merde, j'avais déjà mis. Hop, ça, attends, ça. Je fais tout sur une fondation maintenant. Ouais, je vois ça. On se croirait en PVP. Hein. D'ailleurs, il y a le serveur de Cheetah qui ouvre le 13 et on sera en PVP dessus. Pourquoi je voulais faire ça? C'est pas du tout pour le bon truc, puisque tout se fait dans mon... Si c'est pour des narcotiques. Ouais, c'est pour des narcotiques quand même. Ah oui, d'accord, j'ai aucune narcoberry. Est-ce que j'ai des narcotiques déjà? J'en ai. T'en as? Oui. Arrow, hop, 10. Narcoberry et narcotique, il me manque. Du coup, t'as des narcoberry? Ou des narcotiques? Oh. Narcoberry? Vas-y, mets tout dedans. Je vais pull pour me faire des flèches. Voilà, je peux me faire 7 flèches de timing qui tame instant. Et du coup, ça en fait 14. On voit que c'est x2. Donc, j'en ai 16. C'est bon, je peux te suivre. Et je vais venir avec le Wicked Glowto. Ils volent. Ils volent pas, mais ils sautent haut. Ils sautent haut et il va vite. C'est parti. A plus. Ça va, ils sautent haut. Je sais pas combien de dégâts tu t'y prends, mais j'espère pas beaucoup. Du coup, le Pteranodon, ça va se trouver sur la plage, ça, non? Oui, il y en a partout. D'accord. La plage d'ici. Et Frozen. Alors combien de dégâts on va prendre? Attention.
que dalle. C'est bon, tranquille. Oh, je me suis fait électriser. Reviens là. Je me suis fait électriser là. J'ai été surpris, je pensais être méga loin. Moi. Alors, moi aussi je veux mon dodo. Oh, il est pas one shot. Ah voilà. Il était pas one shot torpeur. Ça n'arrive jamais. J'ai rien pris pour tamer. Bah bravo. Mister Fluffy of the Tam, beware. Quoi? Mais il est pas tamé. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais non, c'est dès que quelqu'un me tame sur le serveur. Ah ouais, ok. Ça mange de quoi? Bah c'est un dodo. J'imagine que ça mange pas de la viande. Non, parce que je viens de mettre de la viande dans le dodo du coup, mais Ah, c'est des Parados Bacon. Faut aller chercher du Parados Bacon. Parados Bacon, effectivement. Il y a ton machin qui se fait attaquer par une électrice. Aïe. Ah, bon, bon voilà. Très bien. Et tu as pris. Et elle a pris vos désherbois. Des petits herbois. Hop. Non. Il me faut un Parados Bacon. Quoi tu parles? Non. Qui fait des colorants. Hop là. Alors c'est par où la base? Parce qu'en fait ce biome il a la particularité d'être assez compliqué à naviguer. Parce que là pour trouver l'endroit où on a fait notre base, ça va être au-dessus. Je regarde le lac sur ta map. Ah ouais, bah ça va être au-dessus de là où je suis. Après j'allais dire j'ai pas besoin, mais c'est parce que je viens de trouver un mouton. Mais mon dodo, il est pas calme. Donc j'arrête avec ça. Hop. Bah si, il mange du bacon. Ouais, oui, c'est vrai. Du bacon. Hop là. Alors, comment on craft du bacon? Comment on craft du bacon? Hop. Ça va être là-dedans ou dans ce truc-là. Ou dans ça se craft dans quoi? Le truc de potion. Ah j'ai. Il manque 50 viandes cuites. C'était dans l'autre, dans la table. Est-ce que j'ai fait un fabricator? Il me semblait avoir fait un fabricator même. Non, bon, on va le crafter. Il me semblait vraiment en avoir fait, hein, tant pis. Hop. Putain. Mon dieu. Tout sur une fonda, hein. N'hésitez pas. Et du coup, je voulais faire un grill, et il me faut de la gasoline, donc de l'essence. Il n'y en a pas, du coup, il faut une forge. Ah, il faut crafter de la gasoline. Pour ça, il nous faut. Alors. Hop, déjà, tu vas manger. Hop là. Donc, du pétrole et de la peau. Peau, bois. Du bois. Et du pétrole ici. Ok. Ah oh non, mais j'ai pas besoin en fait. Je vais laisser se faire. Hop, voilà, parfait. Perfecto. Toc, toc, alimenté. Y'a un grill de Parados ou pas? Genre un feu de camp, un grill ou quelque chose comme ça? Non. La forge? Quoi? De la viande dans la
Ah, bah il me faut de la viande classique. Mais il y en a 2000. Ah ouais. Ok, moi qui voulais faire un grill, genre un vrai grill. Bah, du coup, j'ai un vrai grill. Tous les uns sur les autres, n'hésitez pas. Ouais, tu y vas comment dans ton mortier ? J'y vais en supprimant les autres trucs. C'était un ou deux bacon qui voulait. Ouais, je m'en rappelle plus. De toute façon, ça se périme pas. Là, il va falloir que j'en fasse plus. Ah, ça fait que 12 par 12. Oh mon dieu. Ah ouais, du coup, ça va ça rien. Autant faire une forge et puis tout mettre dedans. Attention. Boum, 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 boum. Il est vraiment pété, ce matin. Hop là. Alors, on transmet de partout la viande crue dans les... avec le bois aussi. Le bois dans les Parados Forge. Boum. Voilà. Parfait. Parfait. Hop. C'est mille fois plus rapide comme ça. Tac, tac et tac. Super. Hop là. On va ramasser ça. On le repose là. Comme ça, ça gêne plus. On va ramasser ça aussi. Tac. Comme ça, ça gêne plus non plus. Et un jour, je ferai une vraie base. Elle sera belle ma vraie base. Mmh. Hop, j'en ai combien? Comment faire une base sur une fondation? Parados. On va en faire deux du bacon. On sait jamais si jamais on a besoin de quelque chose. On va faire un, c'est pourquoi ça, le Kiruen Inventory. C'est quoi un Kiruen? Je sais pas. Il y a un Rustel, ok, je sais pas. Bon, je reviendrai si jamais j'en croise. Ah. Hop, voilà. On va éteindre les forges, ça sert à rien de continuer. Hop. Est-ce qu'il va vite lui? Ouais, ça va, vas-y, je vais prendre ça à la place du Glotel. Donc j'ai mes deux bacon. Je vais vers le dodo là. What the fuck, qu'est-ce que c'est? Un dragon. What the fuck? Putain, ça augmente les bases à chaque fois qu'on passe devant. Hey, y'a un dodo agressif. Ouais. Enfin, un dodo amoureux. Il y a des petits cœurs au-dessus de sa tête. Ok, c'était un du coup. Hop. Et il fait mal. Hein. Le dodo machin là. Ouais. Il a un milliard de points de vie. Super dodo sur l'épaule. Tu m'as endormi, mais... 200 000. Ok. 200 000 points de vie. Ouais, on va peut-être pas le faire tout de suite. Et nous, du coup, on cherche un Ptera légendaire. Un Ptera légendaire. Sauf que là, je vais trouver que des trucs qui vont one-shot. J'en ai un 95. Ok, vas-y, donc on plus acheter. Là, il y en a un. Oui, tu peux. 55. 55.
là c'est combien? 90. Lui il est combien? 20. Lui il est combien? Il est 15. Lui 95. Cinquante-cinq. Cinquante-cinq, cinquante-cinq. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus intéressant, s'il vous plaît? Gardien de griffon. 135, j'ai. Bah, nickel. 135. Je vais regarder les trois autres qui est autour. Level 15. Level 50. Et 135, c'est celui-là, ok. Bon, essayons de pas nous faire tuer par toute la faune et la flore de cette région. Oh, y'en a un là-bas. Est-ce qu'il se boit là? Oui. Oui. Boum. Boum, j'ai pas pris le... Yes. T'as pas pris quoi? J'ai pas pris la viande de mouton. Est-ce que t'as un petit peu de viande de mouton? Attention, moi. D'accord, je reviens alors. Mais, attends, encore une nouvelle base qui est active. C'est un début de château. Et au-dessus, c'est un château déjà bien commencé qui est actif également. Et eux aussi, il faut des petits carrés en 2, en 3 par 3 en bois pour débuter. Je suis pas tout seul. Ok, alors, le mouton, il est là-dedans, normalement. C'est ça. On est bon, on peut y aller. Il va me falloir un loup max et speed. Faut que je trouve ça. Ou alors le pteranodon. Ouais, le ptera, ça sera bien. Bah, à quoi que le ptera, tu m'as dit qu'il... Ouais, c'était le truc pour tamer, quoi. Donc on va peut-être le max et dégâts plutôt que speed, mais bon. Ouais, mais plus tu le mets en dégâts, plus il baissera les points de vie. Les deux en même temps. C'est pareil hein, en vrai. Je crois que le ratio est le même. On pourrait comparer, mais genre, ouais, mais si je mets deux fois plus de dégâts. Oui, après, faut pas que je le one shot, mais. Si je mets deux fois plus de dégâts, je mets deux fois plus de torpeur. Hein. Équivalent. Maintenant, faut voir si effectivement on le one shot pas, mais bon. Normalement, ça va. Ils ont plus de 11 000 PV, les. Tous les 10 de beauté. Oui. Enfin, je crois. Oh, t'es très bon. Viens là. Hop. 40%. Et ben voilà. Hop. Équipé une selle. Tout à l'heure. Une selle légendaire. On va prendre ça sur l'épaule. Et du coup, il me le prend dans les mains. C'est un dodo. Et on y va. Est-ce que tu me suis le Ptera ou est-ce que... Ouais. C'est un peu long. Il va pas très très vite. On va voir si on le monte dégâts ou si on le monte vitesse. Il y a un Dodorex qui vient de se faire endormir par un légendaire raptor. Ce mode, c'est n'importe quoi.
Hop là, bienvenue à la maison. Bienvenue à vous à la maison. Hop. Il me faut la selle de Pteranodon, légendaire, Parados, poison. Légendaire, Pteranodon. Putain, il y en a plein. Il y en a plein de différents. Hop, la selle. Tac. Tac. Quoi, j'ai pas fait le bon? Quoi? Mais c'est pas un légendary! Non, c'est pas vrai. C'est un Parados, ce Pteranodon! Ah bah, c'est pas la même. Il est bien? Bah, il baisse pas la vie. Enfin, la fin. Merde! Pourquoi je m'en doutais? Mais il était jaune! Pour moi, c'est bon. Ça suffit. Hop! Il est jaune et vert, il est pas jaune. Oui, il est jaune et vert, oui. Et il fait combien de dégâts celui-là? Parce qu'il a quand même 45 000 PV. Il fait du 2500. Ok. Bon. Et bah. Pose-toi là. Et puis voilà. Je vais aller rechercher autre chose. Hop là. Allez, on est reparti. Trouver un vrai Pteranodon. Tu fais quoi? Tu fais des élevages de légendaries? Non, ça c'est un, comme toi, un Parados. Ah. 145 stam, t'as mis. Ouais, c'est pour mes expériences. Faire de la reprod de Parados Pteranodon. Avec un légendary. Mon dieu. Et encore une nouvelle base. Putain, il y en a plein qui ont fait des bases, c'est cool. Il y a énormément de subs qui sont arrivés sur le serveur récemment. Donc, je le rappelle pour tous ceux qui ne savent pas encore, le serveur est ouvert. Vous pouvez rejoindre le serveur. Quand je vois le nombre de personnes qu'il y a dessus, je me dis que j'ai quand même bien fait de le limiter, parce que sinon ça aurait été vraiment... Il y aurait des bases partout. Alors, l'accès est... réservé au sub Twitch, mais voilà, vous pouvez rejoindre si vous voulez. Et c'est Twitch Prime, vous pouvez avoir un sub gratuit. Alors après, il faut Amazon Premium, donc faut voir si quelqu'un dans votre entourage a Amazon Premium et ne l'utilise absolument pas. Ça arrive très souvent. Enfin voilà, du coup, hop, le serveur est ouvert. Pour toutes les infos, c'est sur le Discord dans la section sub, du coup. Pour comment rejoindre et tout. Mais le dragon! Ah, mais ça va, ils sont pas agressifs, je crois. Bah, si tu te colles un peu aussi. Ah ouais? Ok, ouais. Ils vont pas encore attaquer. Oh, il est trop beau celui-là. C'est quoi? Abandonné d'Argentavis. Je le trouve super beau. Alors, ça me rappelle tellement la série Volcano. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que. Ah, voilà, c'est pour ça. La série Volcano avec notre Argentavis qui était complètement pété. Je vais mourir! Non, c'est bon. J'adore. Si j'étais pas one shot, j'aurais été dans le mal. Abandonned Argentavis. Oh, c'est quoi ça? Wicked. Faut que je regarde ce qu'ils font sur le site. Je suis pas encore allé sur le site pour me spoiler ou quoi que ce soit, mais faut quand même regarder un petit peu à quoi correspond quoi. Attends, mais tu manges quoi toi? De la viande. Mais t'as zéro de bouffe? Bah mange! Tu veux du bacon? Mange quelque chose? Il veut pas.
Il veut pas. C'est pas un timing passif? Non, c'est bon. C'est juste que le jeu bug, quoi. Le jeu bug. Non, mais je me méfie avec toi. Oui, bah on va aller tamer des chevaux et on va leur mettre de la viande. Il y en a qui se tamer avec de la viande. Ah, allez, meilleur mode. Hop là, abandonned, Argentavis 224. Toc, toc. Et ramasser. Hop là. Hop là. Perfecto. Perfecto, perfecto. J'ai. Légendary Pteranodon 135. Hop. Ah, c'était au cas où pour être sûr que. Hop. Si jamais ça suffisait pas. Tu manges quoi toi? Tu manges des trucs normaux? Tu manges des trucs normaux. Hop. 201. Hop là. Ta petite selle. Maintenir pour retirer la bola. Genre il a encore bola même quand il est endormi. J'avais même pas. Ok, bon il va pas très vite. Il met du 12 000 avec la vrille. Ok, c'est même pas utile en fait de le mettre dégâts en fait. Go le mettre full speed. Un peu de stam quand même. Ah oui, un petit peu de stam, effectivement. Ah, il endort tout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh là là. Alors, un peu de stam, au moins jusqu'à 1000. Et le dragon, t'as combien de PV toi? 200k. Bon, c'est pas avec lui que je vais te tuer du coup. Toi peut-être. Oh pff, c'est complètement broken. C'est complètement broken. Je comprends pourquoi tout le monde a un légendaire Pteranodon sur le serveur. Je comprends mieux. Où est mon dino? J'ai perdu. Oula, je vais mourir. Ah. Fantôme d'ailleurs bien. Oh, il est joli, je vais voir ce que c'est. Il est joli, c'est un fantôme. C'est trop fort, les fantômes d'ailleurs. Oui, mais ça donne des super trucs. Bah ouais. Ok, ça va en faire. Petit vol au-dessus là. Fion, 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 fion. Le gardien d'Airwolf, il était 55, fallait le mettre full speed en hein. Il était pas très haché. Ouais, j'avais des golems qui m'embêtaient. Il tapait pas assez fort. Ouais. Ok, j'ai perdu mon Dire Wolf. Ouais. Et le pire, c'est qu'il suit mon Pteranodon. Donc à un moment donné, si je veux le retrouver, faut forcément que je sois en Pteranodon, sinon ça va être le bordel. Ah, je l'ai full perdu. Il a complètement disparu. Sur ce tronçon de map là. Je sais pas du tout où il est. Bah tant pis. L'avantage de ce mode c'est que tu peux te dire tant pis, genre t'aimerais un autre en 2 secondes tout à l'heure. Et de retour à la maison, hop, avec un vrai légendaire Pteranodon et un Argentavis abandonned. Alors, il me faut la selle de l'abandonné d'Argentavis. Abandonné d'Argentavis. Hop.
Il manque une part de soul. Ouais, c'est ça, j'en ai ramené 11. C'est ça, ouais. Hop là. Toc, toc. La viande. La viande de mouton, je vais la garder. Toc. Merde, la selle. Non, mais j'ai les cheveux verts. À chaque saison, il y a des. Toi qui me mets des coupes de cheveux là. À l'image, je sortis bien avec mon dodo. Hop. Alors, cet argent à vis, il fait quoi? Il est magnifique. Abandonner l'argent à vis. Même pas savoir s'il met de la torpeur parce qu'il one shot tout. Et si je mets de la speed? Ouais, c'est que 5% de speed. Ok, c'est pas suffisant. Il met même pas de torpeur. Il met du 1400. Il n'est pas très intéressant cet argent d'avis. Est-ce qu'on peut choper dans les pattes même pas un super paracer? Ah, par contre, en full poids, du coup, il en a du poids. Bon, si jamais on a besoin d'un dino poids. Pourquoi pas? Ok, bon, à part qu'il est beau, il est pas très intéressant. C'est dommage, il y a plein de tiers de dinos qui sont plus intéressants à partir du moment où tu passes au tiers supérieur. Et le tiers supérieur, tu l'as instantanément vu que tout one shot en torpeur. C'est vraiment dommage, le mode est... pourrait être très très bien, mais il est très mal équilibré. Il est très très mal équilibré. Si les dinos qui endormaient étaient complètement... étaient super durs à choper, ce serait quand même... pas la même. Dommage, dommage, dommage. Ouais, je vais te garder ça sur toi. Le reste, je vais les mettre ça dans la table. Hop. Faut vraiment que je me fasse une dalle. C'est un enfer. C'est un enfer. Bon, je ferai ça sans souci la prochaine fois. Bon, bah c'est cool. Hop, bien la toile légendaire Pteranodon. On va aller chercher. Alors, il va falloir commencer à trouver des dinos qui font vraiment du dégât. Parce que là, 12 000, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Quand tu vois qu'il y a des dinos qui ont 200 KPV et d'autres qui en ont encore plus. Les fantômes surtout. Les fantômes, on peut pas les faire pour le moment. Donc, faut que je trouve un gros dino. Tu veux un dragon? Un dragon? Ah, c'est un dragon que je vais faire. Quoi, t'en as déjà toi? Bah oui. T'es fort? Oh bah oui. D'accord. Oh, un loup. Un loup level. Oh, 140. Merde, il m'a électrocuté. Oh. Oh, yo. Non, le terrain survit. Bon, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Quoi. Oh, je me suis fait défoncer. Il me faut un autre dino. Le Glowtail? Non. Le dodo? Non. Fait mal ou quoi le dodo? Pas tellement, non. Ah. Là, c'est la déception, ça pourrait être Zidodo quoi. Tu l'as renommé 145 stam parce qu'il avait plein de points en stamina? Oui. Mais tu peux le prendre, hein. Non, 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 mais. Moi j'en ai un qui a 47 en bouffe, ça t'intéresse? Waouh. Magnifique. J'espère qu'il l'a endormi et qu'il lui a pas remis le coup derrière. Ils ont plus de stam, quand c'est plus. Mal équilibré. Alors c'était où? Merde, je suis perdu, je sais plus si c'était là ou si c'était après. C'est là. Oh merde!
Oh merde, faut que je l'endorme avant qu'il tue mon légendaire pteranodon. Non! J'ai endormi le mauvais, je crois. C'est bon. Ok. Est-ce qu'on est bon? Tout le monde est endormi. Le légendaire pteranodon, il a pris combien en dégâts? Quoique, il avait quand même commencé à perdre des PV, mais. Il y a un insecte qui m'attaque. C'est bon, on a le Direwolf qui va nous suivre normalement sans problème. C'est bon. Vous me suivez, les gars? C'est bon? Merde, faut que je prenne le. Hop. Faut que je prenne le terrain nouveau sur moi. Non, 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 attends, attends. Putain, c'est un bordel. Arrêtez! Ne faites pas n'importe quoi. Hop. Il est où? Il est au-dessus. What? T'as, pourquoi il y en a un là-haut? Oh! Je crois que j'ai retrouvé mon autre. Mon autre Direwolf. Ah ouais, il est là, level 55. MDR. Non, moi j'ai pas retrouvé les miens. Je sais plus que. Je sais plus où je suis morte en fait. Allez, suivez le guide. Venez là. Ils ont du mal en fait à descendre et à monter d'une certaine altitude. What the fuck, c'est quoi tous ces Deinonychus là? Deinonychus? What the fuck? Il y en avait. Il y en avait 8 au même endroit, tous collés. Ils venaient de spawn en même temps. Alors, 1 et 2. Et l'autre il est au-dessus. Et j'arrive pas à le faire descendre. Mais. Je l'ai encore perdu! Mais j'ai perdu l'autre. Alors. Mais ils disparaissent. Bah c'est, si t'es hors de vue, oui, c'est normal. Mais l'autre, j'étais pas hors de vue, il est parti où? Ah, il va trop vite l'autre, du coup je l'ai full perdu. Bon tant pis, c'était le level 55 que j'avais retrouvé. On le retrouvera un jour. Ok, c'est bon, je l'ai ramené à la maison. Hop. Tac, c'est bon. Ramener à bon port. Alors, je pense que l'objectif, ce serait d'avoir deux gardiennes et de les faire se reproduire. T'as combien en stats, t'as 34 en stam, 31 en dégâts. Ok, bon, et c'est un. C'est une femelle. Donc, faut que je trouve un mâle. Je trouve un mâle gardienne. On va faire de la repro de gardienne Direwolf parce que comme ça tape en zone, pour le moment c'est le dino qui vole, qui va vite et qui tape en zone. Donc je pense qu'on va se faire une reprod et on va pouvoir détruire tout ce qu'il y a autour de nous. Ça reste le dino le plus intéressant qu'on a dans toute l'équipe. Après le bah et le Ptera aussi, mais je trouve que le Wolf fait plus de dégâts par seconde parce qu'il tape tout le temps, alors que le Ptera faut faire des vrilles avec. Pour que ce soit intéressant. Donc, allons chercher un autre gardien Direwolf. Level 130 plus. Donc, avec des bonnes stats. Je dirais même 135 plus. Comme en PVP quoi. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs. Alors. Pour le planning de ce qui va se passer en stream sur ce mois de juillet, je ne suis pas là à partir du 20, du 20 jusqu'au 30, je reviens en août. Mais nous avons le serveur de Cheetah en PVP sur Arc qui ouvre le 13, qui sera en trio tribe, donc on sera 3. Ça va être la folie, on sera sur Aberration, je pense. Voilà, donc ça débutera, je sais pas à quelle heure, je pense pas qu'il est mid-heure encore. Donc voilà, c'est le 13. On a du Rust en ce moment qu'on fait actuellement au moment où la vidéo sort sur le stream, donc des wipes de Rust. Et
ce jeu est magnifique, ce jeu est trop bien. On a... Toc, je vais acheter ça. Je vais faire du teamfight tactique. Parce que j'adore le jeu. Je suis accro. Je suis complètement accro. Il y a du Satisfactory, on a commencé à faire et ça sortira sur YouTube. Il manque encore toute une grande partie avec la nouvelle mise à jour de Nuclear et tout. Mais et voilà. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent bah, en août, mais on verra ça en août. On verra ça en août. Duke, si j'ai d'attaque le lead. Diony. Il sort. Il faut du... Je crois que c'est fin juillet. Du coup, ouais, bah, début août. Quoi. Ouais, voilà. Donc, début août. Il n'y a pas de Beowulf ici, en fait. C'est ce que j'en cherche depuis tout à l'heure, mais il n'y en a pas dans ce monde. Ça n'existe plus. Peut-être qu'un Rex, ça peut être cool. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Un Chronos Rex. Avec des Chronos qui bullent. Je sais pas combien de dégâts il fait. J'ai pas envie de tester sur moi-même. Après, j'ai quand même 132 KPV. Est-ce que je vais tester sur moi-même? On se fait taper, on voit ce qui se passe. S'il arrive à me taper, il n'arrive actuellement pas à me taper, c'est génial. D'accord, c'est normal que le Chronos Rex me tape pas. Je suis pas en god mode. Hein. Ok, je comprends pas. Je vais descendre du dino. Je vais le laisser se faire taper, voir ce qui se passe. 700. Ok, pas intéressant. 1400. Ouais. Absolument pas intéressant. Hop. Et en plus, il faut des chronos kibble pour ce truc. Alors que ça fait pas de dégâts. Je comprends pas le mode. Je comprends pas. Le légendaire Ripterano, il faut du mouton alors qu'il est pété. Le Chronos Rex, il faut du des kibbles du mode alors qu'il sert à rien. Alors peut-être qu'il fait un truc caché, mais... Oh, il sert à rien. Ah, il y a les Pégases aussi. Oh, c'est quoi ça? The King of Destruction. 135. King Daddy of Destruction. Of destruction. Ok, je lui ai mis 24 torpeur. Tamable par KO. Il manque quoi? Il manque du bacon. Et je crois que j'ai un bacon sur moi. Pas du tout. Je sais pas où il est. Faut que je retrouve le bacon. Mais je mets tout à côté. Ok, donc il me faut un bacon. Je reviens. Ok, je suis de retour. Où est-ce que je l'ai mise? Où est-ce que j'ai mis le bacon? Dans l'abandonné Argentavis, peut-être. Exactement. Exactement, il était là. Hop. Et tac, c'est bon. Par contre, Gendarme Pteranodon, tu vas pas assez vite. Je vais récupérer le Dire Wolf. Le Dire Wolf, on va lui mettre de la speed. Ouais, il va aller quand même plus vite, mine de rien. Faut juste le faire XP un petit peu. Avec 2-3 petits trucs sur le passage. Mais comme il tape en zone et qu'il tape de loin. Voilà. C'est pété. Oh, j'ai cru que je retrouverais jamais l'endroit.
Et pourtant, j'ai pas pris tant que ça, mais à un moment donné, j'ai eu un doute. Mmh. Puis impossible que je le retrouve. Il est là. King Daddy of Destruction. Ok, on va voir ce que c'est. Abandonné. Parados. Pegasus. Ah, il me faut un Terry aussi. Un Flaming Terry pour farmer. Pour pouvoir faire ma base. Allez, réveille-toi, King Daddy là. King Daddy of Destruction. Team, level 25. Tu drops quoi toi? Et Parados Soul. Ok. Alors, où est-ce qu'ils étaient, ça? Là où t'es mort tout à l'heure? Bon, bah moi, il veut pas se réveiller, mon dino. Je crois que je vais le laisser là, je vais l'abandonner et je reviendrai plus tard. Oh, un gacha. Mais il y a trop de trucs à tamer dans ce mode. On n'a jamais envie de... Voilà, c'est... Après, voilà. Oh, il est réveillé, ça y est. C'est bon. On va pouvoir le tester, King Daddy of Destruction. Équiper une selle. Quoi? Ok. Hop. Est-ce que t'as vu à quoi ressemblait un King Daddy of Destruction? Non. Alors, je le ramène à la base. J'arrive. Bon, du coup, j'ai pris mon gros volant, hein, mais... parce que j'en ai plus. Ah. N'aie pas peur de lui, il est pas méchant, il est gentil. C'est quoi? C'est un... Une grosse bête? Très. Mais la touche C est meilleure, en fait, sur le Dire Wolf. Oui. Même complètement abusé. Puis il tape tout autour aussi, surtout. Celle d'Alosaur, yes, y'a rien d'intéressant à faire. Ah, la touche C est bien meilleure. Encore une base? What the fuck? Mon dieu. Y'en a du monde! On a dû croiser 8 bases là depuis le début. C'est qui en dragon hein? Oh mon dieu, on n'entend plus rien. Oliver, mais t'es, quand tu te balades avec ça, t'es obligé de couper le son. Bah non, j'ai plus le son du jeu moi depuis longtemps. Ah. Oh, beaucoup trop fort le son des ailes. C'est ça qu'il me faut. Hop là. Alors, il me faut donc c'est King Daddy of Destruction. King Daddy of Destruction. Elle est là. C'est une selle de grenouille, alors que ce n'est pas du tout une grenouille. Viens voir. La selle, elle a 250k d'armure. Je suis un monkey. Trop bien. Singe poilu. Oui. Hop. Bonjour. Attends, et plus je tape, plus il y a un truc ou quoi? Parce que là... Faut que j'aille tester ça.
Ok, il prend un petit peu de speed. Ouais, il met des dégâts. Oh, de fuck, il va trop vite dans l'eau. C'est ça aussi qu'il faut trouver, un truc qui va super vite dans l'eau. J'ai trouvé. 6000 de dégâts. Hop. Hop. Ok, alors on va essayer d'un peu plus loin. What? Et ça fait rien. Super. Je suis déçu. Oh, il est là mon Dire Wolf level 55. Viens là. J'aime pas s'il avait des trucs sur lui. Merde, je vais jamais pouvoir remonter. Viens là, le... il est où? Je l'ai perdu. Il est au-dessus de moi, ok. Il est complètement au-dessus de moi. Tiens, viens là. J'ai besoin de toi, mon coup. Hop là. Ouais, on va se remballer avec le gardien d'Air Wolf sur l'épaule. Ce sera plus simple. On pourra s'en servir si on a besoin. Pour se balader. Pour remonter à la base surtout. Hop. C'est parti chercher des dinos nomodés. Et du coup on faut qu'on passe par la mer. Est-ce que tu prends des dégâts de chute mon coco? Pff, zéro. Non, pas un. Zéro. Clic droit. Ah si. Ça fait de la destruction. Ah, et j'ai pris feu. Ok, donc d'ailleurs ça a pas marché, donc c'était un bug. Ah, ok. Et la touche C 7000. La touche X. Rien du tout. La touche C. Ok, faut que je teste des trucs. Hein. Il est comprend pas tout. Ah, mais c'est mon loup en plus qui derrière fait des trucs. Ok, ok. Là d'ailleurs, les dauphins ça donne quoi sur la plage là? Du polymère. Pff, ok, polymère. Bien avarié. Hop. Ok, bon, faut que je trouve un dino modé et que je commence à lui mettre des dégâts, voir s'il prend de la torpeur. Toi, t'as pris quoi? Ok, je l'ai tué parce qu'il y a un Dire Wolf qui est agressif sur mon épaule. Ok, il prend plus de dégâts que de torpeur. Avec la le clic gauche. Maintenant on va tester avec le clic droit. Et ensuite faut qu'on teste la touche C. Trouvons un dino. Trouvons un dino modé. Genre un énorme bronto là avec plein de PV. C'est bien ça. Ok, donc ça enflamme le dino. Merde. Non, viens là. Viens là, viens là, viens là. Putain, j'ai pris feu moi aussi. Ah ouais, mais c'est un Terry qui m'attaque aussi. C'est pour ça que je prends feu. Il y a quand même. Je me fais défoncer par des micro-raptors. What the fuck? Ah oui, ça c'est... Ça arrive. Un mana. Vite. Y'a que moi qui suis mort? Pour l'instant, oui. Ok. Je crois que je l'ai mis en neutre juste avant de mourir. T'étais où? Vers la tour verte, un peu à gauche. Un peu avant aussi. Plus près de la mer. Ah ouais, la rivière qui nous sépare de nous et la tour verte. Quoi.
sur une petite montagne. Petite colline, je dirais. Oh bah attends, il est en train de se faire démonter là. Et il est endormi. C'est fait exploser. Par contre, je vais pas pouvoir ramener tous mes dinos. Oh bah je crois que je vais encore devoir t'abandonner là, mon d'ailleurs, Wolf. Oh, il a... oh là là, il a plus de PV. Oh, mais un micro-raptor encore. Ramasser. Ok. Bon. J'ai toujours pas testé la touche C, mais je peux pas. J'ai combien? J'ai 9000 PV. Si on... c'est trop peu. Faut que je teste la touche C. Rapidement. Sur un dino modé. Qui est pas loin. Qui est pas très agressif. Genre un stego. Pas un petit stego là. Ou un gros bronto, ça peut marcher. Ah, 4,2 de torpeur. Non, ok. Bon, ça fait juste des dégâts en zone, mais. C'est pas ultra intéressant. Ok, ok. Bon, voilà, ok. Bon, bah d'accord. Y est compris. Hop. Et bah, King Daddy of Destruction, pas si mal. Mais le Pteranodon bah, est complètement pété en fait, il n'y a rien qui rivalise avec le Pteran. Malgré tout, il est quand même pas mal. T'as mon derrière Wolf qui est au-dessus de moi là. Je sais pas pourquoi il monte aussi haut. Hop là. Ouais, il monte beaucoup trop haut pour faire n'importe quoi ce gars. On descend. Et bah super. Hop là. Ça c'est fait. King Daddy of Destruction, parfait. Bon, on a eu un nouveau dodo, des Ptera, un nouveau Dire Wolf qu'il va falloir faire reproduire. Un Argentavis qui sert à rien mais qui est joli. De toute façon, il faut tout aimer pour savoir qu'est-ce qui est fort ou pas. Et qu'est-ce qui a des attaques spéciales qui sont intéressantes ou pas. Mais ouais, pour le moment, c'est lui le plus intéressant. Okay. Bon, bah, il fait du 9000 de dégâts du coup. Avec la touche C, le clic gauche et le clic droit, il fait du flamme. Bon, c'est pas mal. Petite flamme en début de combat. Faut juste pas que je me le prenne directement sur moi. Mais... Est-ce que je peux te soigner? Non, il n'y a rien pour te soigner. Bon, tant pis. Hop. Bon, ben moi, il va falloir que je crée un château. T'es parti tamer? J'ai trouvé un loup. Ouais. Mais je sais pas si c'est la bonne couleur, je crois qu'il n'a pas la bonne couleur. Tiens. Mais moi c'est un bleu. Ah bah c'est un rose. Ok. Bah faudra tester les deux de toute façon. Je sais pas quelle est la différence. Ça a peut-être aucune différence mais bon. Faut qu'on trouve des. Bah voilà. L'objectif ce serait d'avoir des Dire Wolf bien pétés pour faire de la reprod. Des Legendary Pteranodon aussi bien pétés pour faire de la reprod. Et pour le moment, c'est les deux dinos intéressants que j'ai avec moi. Donc, on peut entamer en illimité ces trucs-là. Pour essayer d'en avoir un maximum. Ça va. Ça va. Je me suis encore perdu. Et ben, moi, on va s'arrêter ici parce que ça fait quand même une heure d'épisode, mine de rien. Oui. Il est quelle heure? Mine de rien. Il est. Ça va, il est 11h30. On tourne de bon matin. Eh bien, sur ce, je vais vous faire des bisous. J'ai perdu ma couleur de cheveux. Parfait. Je sais pas pourquoi. Mais... Ok, j'avais plus jamais ciseaux et mes colorants. Non! J'ai les cheveux noirs, je suis bien. Pourquoi j'ai perdu ma couleur de cheveux d'ailleurs? Trop bizarre. Je comprends. Bon. Eh bien, sur ce. Je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Une vidéo full timing. Dans le prochain épisode, il va falloir qu'on fasse où j'aurai déjà commencé la construction du château. On se retrouve très prochainement. Et on vous fait des bisous. Et on retrouve Angie en août. Au mois d'août. Vers le mois d'août. Et bah des bisous alors. Au revoir. Bonnes vacances. À bientôt. Bisous.